Bonjour et bienvenue sur la chaîne les créations d'Aurélie. Aujourd'hui, dans ce tuto, je vais, vous montre, je vais vous montrer, pardon, comment faire euh, une magnifique cloche à fromage ou à gâteau ou à fruits. Pour cela, il va nous falloir pas beaucoup de matériel, très très peu de choses. Alors, pour commencer, on va partir sur un crochet en taille deux et demi, d'accord? une paire de ciseaux, bien sûr, pour couper le fil à la fin du travail. un petit marqueur, un petit anneau à ma euh, marqueur. pourquoi? vous verrez dans la, euh, vous allez voir pourquoi on va en avoir besoin. ça va nous servir de repère. voilà. et bien sûr, du coton. alors, ce coton là est un coton... Euh, donc, bleu roi marque cheval blanc. Vous pouvez utiliser une autre marque, il n'y a aucun souci, le principe reste exactement le même. D'accord Voilà, c'est parti pour le petit pas à pas. Alors, pour commencer ce petit pas à pas, on va tout simplement commencer par faire un cercle magique. Alors, pour faire un cercle magique, on va prendre le fil, on va l'entourer. Comme ça, d'accord. On va glisser son crochet en fait sous le premier fil et attraper le second. Puis on va tirer comme ça. Et là, on va faire trois petites mailles en l'air, deux, trois, pour que ça bouge pas. Ce fil-là, il faut bien le garder sur la gauche. Il nous permettra de serrer une fois qu'on aura fait euh, tout notre petit truc intérieur. Donc, on a démarré ici. Je fais donc trois mailles en l'air et une en plus, une maille en l'air supplémentaire. Ça en fait donc quatre. La dernière maille en l'air étant la maille de séparation et les trois premières mailles en l'air que j'ai fait comptent comme une bride. D'accord Ensuite, dans le cercle, ici, donc à l'intérieur, on va faire une bride. Voilà. Donc ça va former en fait ça va faire donc une bride une, une maille en l'air en plus pour la séparation, une bride comme des petits V. Et on va en faire comme ça pour avoir exactement en tout et pour tout 8 brides. En comptant celle-ci. Donc les trois mailles en l'air de départ comptent comme une bride. Donc là, ça nous en fait deux. Et dedans, on va faire la même chose. Donc on fait une maille en l'air, une bride encore à l'intérieur, une maille en l'air, une bride à l'intérieur. Voilà, vous faites la même chose en fait tout le tour en ayant bien évidemment donc huit brides. Donc là on en a une, deux, trois, quatre. Donc vous faites une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride jusqu'à en avoir en tout huit. Et on se retrouve à la fin une fois que vous avez fait ça. Donc voilà, donc là ici j'ai donc fait en tout mes huit brides avec une maille en l'air. Qui sert de maille de séparation entre chaque. Donc, il faut surtout faire attention de bien les compter. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, j'ai bien mes 8 Pour fermer le tout, on va faire juste une maille en l'air. D'accord Alors là, on a le fil, voyez, qui est juste là. Ce fil-là, on va le coincer au fur et à mesure. Pour cela, là, dans les trois mailles de départ, une, deux, trois. Ici, on va faire une maille coulée. Donc, on va glisser son crochet dans la maille. D'accord Faire ensuite... Alors, vous passez le petit bout de fil sur votre crochet. Et en fait, vous avez passé le fil de votre pelote en même temps. Et vous faites la maille en coulée. Comme ça, le fil là, il est coincé à l'arrière. Et au fur et à mesure qu'on va faire le rang suivant... On va en profiter pour coincer ce fil. D'accord Alors, pour le rang suivant, le rang numéro 2, on va faire. Donc là, on a créé, vous voyez, des espaces. Donc, on va avancer ici dans l'espace avec une maille coulée. Vous tenez votre fil en même temps. Hein? Comme ça, vous le maintenez. Ensuite, on va repartir. Donc, on a fait une maille coulée. Donc, ensuite, on repart avec mailles en l'air qui compte comme une bride et encore une maille encore en l'air pour faire la maille de séparation d'accord ensuite on va faire un jeté ici on a un espace on va faire une bride voilà ça nous fait un petit v dans chaque, espa, dans chaque espace, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Avec une maille en l'air entre chaque petit V. Donc là, on a notre petit V qui, qui a été fait. Ensuite, on fait donc une maille en l'air. Dans l'espace suivant qui est là, vous voyez, tout en tenant le fil. Vous hein, voyez, mon fil, il est juste là. Je le coince en même temps. Donc dans l'espace ici, donc, une bride. Une maille en l'air. Et de nouveau dans l'espace, une bride. Une maille en l'air à nouveau. Dans l'espace à côté, une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace encore à nouveau à côté. Une bride, une maille en l'air, de nouveau une bride dans l'espace. Voilà, hop, voilà ce que ça vous donne. Et on fait la même chose tout le tour. Donc, quand vous avez mis une dans les espaces, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, et entre chaque espace, une, une maille en l'air. Donc là, on va faire une maille en l'air. Dans l'espace à côté, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on fait ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin du rang. A tout de suite. Donc voilà. Donc là, j'ai fini tout mon tour. D'accord. Donc j'ai fait donc un, hein, vous voyez, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans chaque petit espace qu'on rencontre. Séparé, bien sûr, d'une bride entre chaque. Pour finir ce tour-là. Donc à la fin, là, ici, pour vous donner une idée. Euh, vous allez avoir ici en tout et pour tout 16 brides séparées d'une du, maille en l'air à chaque fois. Alors pour fermer, on fait juste une maille en l'air. Et dans la troisième maille en l'air de départ, ici, qui est juste là, on fait une maille coulée. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai coincé en même temps mon fil. Donc, euh, il est juste là, mais... il doit ressortir à l'arrière et on coupera le petit bout qui dépasse à la fin. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, ça on peut le couper à la fin, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on aura fini avant de, de faire la chose. Alors, pour le rang suivant, on va faire le même principe à part un petit changement au bout du 5e ou 5e rang. Il y a un petit changement, mais... Je vais vous montrer comment faire. Alors, donc ici, on a donc du coup ici, vous voyez notre espace. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va donc passer à l'intérieur et faire une maille coulée pour avancer. On repart sur trois mailles en l'air et une maille de séparation. D'accord On fait un jeté. Dans le même espace ici, on va faire une bride. D'accord. Ensuite, on fait une maille en l'air. Dans l'espace à côté, on fait juste une seule bride. On va faire en fait des augmentations. C'est-à-dire que le rang qu'on a fait là, on a fait des augmentations à chaque fois double. Là, on va augmenter une simple, une double, une simple, une double, etc. On va faire ça. Donc ensuite, on fait une maille en l'air. Donc là, on a mis. Une augmentation, une simple. Dans l'espace suivant, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, dans l'espace à côté, une bride. Voilà, donc on fait deux brides, enfin une bride, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride seule. Il faut qu'on reproduise exactement donc deux brides séparées d'une maille en l'air. Dans l'espace d'à côté une seule bride. L'espace d'à côté deux brides avec une maille en l'air. L'espace d'à côté une bride et on va faire ça tout le tour. D'accord Je vous retrouve à la fin de ce tour là. À tout de suite. Voilà. Donc j'ai terminé tout mon tour. Donc vous voyez, hein, ici on a un petit V. À côté dans l'espace, on a une bride seulement, etc. On fait ça tout le tour. Voilà ce que ça vous donne. Je vous montre en même temps. Ensuite, arrivé ici, donc pour fermer, on fait comme tout à l'heure. On va faire une maille en l'air. Et dans la troisième bride de départ, on fait une maille coulée. Voilà. Là, pour le rang numéro donc 4. On va donc avancer ici dans l'espace en maille coulée. Donc on fait une maille coulée pour avancer. Donc on se trouve au niveau de l'espace. On remonte avec trois mailles en l'air et une maille en l'air de séparation supplémentaire. D'accord Un jeté dans l'espace ici. On va faire une bride. Voilà, ce qui fait un petit V. Donc on dira que du coup que les trois premières mailles en l'air étant une bride là, et là une bride, ça fera notre augmentation. Ensuite, on fait une maille en l'air. Dans l'espace à côté, juste là, on fait une bride. D'accord On fait une maille en l'air. Dans l'espace à côté, on fait une bride. Voilà, donc là on a fait une augmentation, une bride, une bride. Et on refait exactement la même chose. C'est-à-dire que ça, une augmentation, une bride, une bride, avec à chaque fois, bien sûr, nos mailles de séparation, on le reproduit tout le tour. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. Dans l'espace suivant ici, je fais donc une bride, une maille en l'air, une bride. D'accord Je fais une maille de séparation. Dans l'espace à côté, je fais une bride. Une maille en l'air. Et l'espace d'à côté, je fais une bride toute seule. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc, voyez un petit peu de brides, deux brides seules, deux brides dans la même espace, deux brides seules. Et on va faire ça tout le tour. Voilà je vous retrouve à la fin de ce tour à tout de suite voilà donc j'ai terminé mon rang d'accord donc on est sur le rang numéro 4 hein, bien sûr donc on fait la même chose pour fermer on fait donc une maille en l'air et dans la troisième maille en l'air de départ on fait une maille coulée pour le rang numéro 5 on fait exactement la même chose. Donc dans le petit espace ici, on va avancer avec une maille coulée. À partir du rang alors le rond numéro 5, 6, 7 et 8, il va se faire un tout petit peu en décalé pour que notre quand on le mettra à plat, il se il soit exactement bien rond. Voilà, une petite variante. Donc voilà, il n'est pas extrêmement bien rond puisque on va commencer justement le décalage pour qu'il le devienne. Donc si vous vous retrouvez exactement comme moi, c'est que c'est très bien. Donc, j'ai avancé ici avec une maille coulée pour le rang numéro 5. Je repars avec trois mailles en l'air. D'accord Ensuite, on va faire encore une maille en l'air supplémentaire qui compte comme maille de séparation. Dans l'espace juste à côté, on va faire une bride. On fait une maille en l'air. Dans l'espace à côté, on va faire une bride. Une maille en l'air. Une bride. Alors, si vous avez bien remarqué... Ici, on avait fait à chaque fois deux, puis une bride, puis deux brides. Là, du coup, ça sera trois. D'accord Donc ici, on a donc notre petit V. Donc à partir de là, c'est un point de repère qu'il faut avoir. On fait une maille en l'air. Dans l'espace à côté, on fait une bride, une maille en l'air. L'espace à côté, une bride une maille en l'air et l'espace encore à côté une bride on fait une maille en l'air et l'espace à côté on en fait deux on fait une bride une maille en l'air et une bride voilà donc ici quand on regarde bien on a l'augmentation les trois brides toutes seules L'augmentation. Quand on a commencé au début de notre rang, on a donc deux brides. Donc on va terminer ici dans le dernier espace avec une bride. Et on va faire ça tout le tour. Donc je vous remontre encore une fois. Une maille en l'air. Puisque là ici on a fait une augmentation, ici on repart avec une bride toute seule dans l'espace. Une maille en l'air. Dans l'espace à côté, une bride toute seule, une maille en l'air et l'espace à côté, une bride, une maille en l'air et dans l'espace à côté, l'augmentation. Donc, une bride. D'accord Une maille de séparation et une bride dans le même espace forme un petit V. Voilà ce que ça vous donne. D'accord Et on va faire ça tout le tour. Donc là, vous faites une maille en l'air, une bride dans l'espace, une maille en l'air, une bride dans l'espace à côté, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et ici une bride, une maille en l'air et une autre bride dans l'espace. Vous faites ça tout le tour. À la fin de votre rang, donc quand vous allez revenir ici. À votre point de départ, puisque les trois mailles en l'air comptent comme la bride, hein? comme je vous l'ai dit au début du tuto, dans le dernier espace, vous devrez tomber sur une bride. D'accord Quand vous arrivez ici, on va se retrouver à la fin de notre rang. À tout de suite. Voilà. Donc j'ai fini mon tour. Donc, pour le terminer, on fait comme tout à l'heure. On fait une maille en l'air. Dans la troisième bride de départ, on fait une maille coulée. D'accord Pour le rang numéro 6, on va donc dans l'espace ici, on va faire une maille coulée pour avancer. On repart avec une, deux, trois mailles en l'air et une maille de séparation. Dans l'espace à côté, on fait une bride. Ensuite, une maille coulée, une maille en l'air, pardon, une maille coulée, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on va faire une augmentation, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, on va refaire la même chose. Donc, tout à l'heure, on devait avoir trois. Bride entre chaque augmentation. Là, on en aura donc quatre. D'accord Donc, on compte à partir de l'augmentation ici. Et là, on va faire dans l'espace une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. L'espace d'à côté, une bride, une maille en l'air. L'espace d'à côté, une bride, une maille en l'air. Et là, ici, on fait une bride, une maille en l'air et une bride pour l'augmentation. Donc, entre ici, l'augmentation, quatre brides toutes seules et notre augmentation ici. Et on fait ça comme ça, tout le tour. D'accord Et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fini mon rang. Et on va faire comme tout à l'heure. Et comme chaque... à chacun des rangs, donc on fait une maille en l'air. Et dans la troisième maille en l'air de départ, on va faire une maille coulée. D'accord Donc quand on remarque bien, on a ici nos nos deux augmentations les deux augmentations et entre les deux on a notre quatre brides toutes seules. d'accord alors pour le rang <coughs> numéro 7 on va faire exactement la même chose donc dans l'espace ici on va faire une maille coulée on va remonter avec trois mailles en l'air qui comptent comme une bride et une maille en l'air en plus pour celle de séparation D'accord Dans l'espace suivant, ici, on va faire une bride, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. Dans l'espace. Euh, une maille en l'air, pardon. N'importe quoi. Une maille en l'air, pardon. Dans l'espace suivant, une bride. une maille en l'air, dans l'espace suivant une bride, une maille en l'air et dans l'espace suivant ici on va faire notre augmentation donc on fait donc une bride, une maille en l'air, une bride d'accord donc si ici on avait entre les deux augmentations ici quatre brides seules pour le rang ici, on doit en avoir cinq seuls, une augmentation, cinq brides seuls, etc. Donc là, ici, les trois mailles en l'air comme une bride, donc la première bride, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, une augmentation. Ensuite, on refait exactement la même chose, donc on fait une maille en l'air, dans l'espace à côté, une bride, une maille en l'air, dans l'espace à côté, une bride, L'air dans l'espace à côté, une bride, une maille en l'air dans l'espace à côté, une bride, une maille en l'air dans l'espace à côté, une bride. Donc là, vous voyez, on en a fait une, deux, trois, quatre, cinq, une maille en l'air et dans l'espace à côté, on fait une augmentation, donc une bride maille en l'air et de nouveau une bride dans l'espace voilà donc vous avez l'augmentation une deux trois quatre cinq l'augmentation et on fait la salle tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive ici donc entre votre augmentation là vous en avez donc déjà là vous avez vos cinq brides l'augmentation cinq brides toutes seules et l'augmentation 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. On repart avec 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Toujours avec une maille en l'air pour la maille de séparation entre chaque, bien évidemment. Ça, ça ne change pas. Voilà. Donc, je vous laisse faire tout le tour comme ça. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé mon rang. Donc on finit forcément par une augmentation. On va fermer donc le rang donc avec une maille en l'air bien évidemment et une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Voilà. Donc là ici on a, a l'augmentation, ici aussi. Et entre les deux on a bien nos cinq brides toutes seules. D'accord Très important. Ensuite, pour le rang numéro. Alors, on est au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Rang numéro 8. Rang numéro 8. Dans l'espace ici, on fait exactement la même chose. Donc, on fait une maille coulée pour avancer dans l'espace. On refait trois mailles en l'air et une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire une bride. Une maille en l'air, dans l'espace à côté, une bride. Une maille en l'air, dans l'espace à côté, une bride. Une maille en l'air, et dans l'espace à côté, une bride. Donc, en fait, si on vous avait un peu compris le concept, Là, ici, le, le rang juste avant, on avait donc 5, 3, 4, 5 brides seules. Là, forcément, on en aura 6. La dernière se mettra ici. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 toutes seules. On fait donc une maille en l'air. Dans l'espace juste après, on va faire une augmentation. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Et là, on va refaire de nouveau une bride seule dans chaque espace six fois, donc une, deux, trois, quatre, cinq et six. Et après notre augmentation ici, d'accord Donc, je vais vous montrer du coup hein, comment ça va, ça va donner. Donc là, on a l'augmentation. Donc là, l'espace suivant, on fait donc une bride. Une maille en l'air donc c'est la première l'espace suivant on fait une bride toute seule une maille en l'air dans l'espace suivant une bride une maille en l'air dans l'espace suivant une bride d'accord donc ça fait une deux trois quatre hein. compter en même temps une maille en l'air dans l'espace suivant une bride, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. Donc là, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six. On est très bien. Ensuite, ici, une maille en l'air. Et dans l'espace ici, on fait donc l'augmentation. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride. D'accord Donc tout le tour, vous faites à partir de l'augmentation qu'on vient de faire ici, vous repartez avec six brides toutes seules dans chaque espace avec votre maille en l'air de séparation, puis votre augmentation, votre bride, votre maille en l'air, votre bride. Et vous faites ça tout le tour et on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc on fait exactement la même chose qu'on a fait jusque depuis le début. Donc, on fait donc une maille en l'air et on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ pour fermer le rang. D'accord? Donc, voilà. Donc, là, j'ai mon augmentation, hein, d'accord, qui est juste là et elle est là aussi. Et entre temps, j'ai bien sûr mes six mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. D'accord? Pour le rang numéro neuf. Ce sera le dernier rang où on va faire les augmentations. Donc c'est le dernier rang où on fait nos augmentations. Donc dans l'espace ici, on fait exactement pareil. Donc une maille coulée pour avancer. On remonte avec trois mailles en l'air. Une maille de séparation. Dans l'espace à côté, on va commencer tout de suite avec l'augmentation. Donc une bride. Une maille en l'air. Une bride. D'accord Donc forcément si en dessous le rang précédent nous avions ici donc, six brides individuelles, le rang numéro 9 que nous faisons, on en aura forcément 7. D'accord Donc on commence à partir de là. Donc la première bride est là, donc forcément ici vous aurez vos six autres brides juste avant. Pour le fait le terminer, donc là on a notre, notre augmentation. Donc à partir de là, on va partir sur cette bride individuelle dans chaque espace avec une maille en l'air entre les deux, d'accord. Donc ici, on fait donc une maille en l'air dans l'espace ici, on fait une bride, une maille en l'air dans l'espace suivant, une bride, une maille en l'air. Donc là ça nous en fait donc deux oui une maille en l'air, je ne sais plus si je l'avais faite dans l'espace à côté une bride une maille en l'air, dans l'espace ici une bride, une maille en l'air, dans l'espace à côté une bride, donc vous comptez en même temps que vous les faites. Hein. On est à 5 Une maille en l'air. Dans l'espace à côté, une bride toute seule. Une maille en l'air. Dans l'espace à côté, une bride. Donc là, on a l'augmentation. On recompte bien. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Une maille en l'air et là dans l'espace à côté, on fait l'augmentation, donc une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. D'accord Donc là, on va faire exactement la même chose. Donc vous allez repartir avec sept brides individuelles dans chaque espace séparé d'une maille en l'air et on va faire ça tout le tour. Quand vous avez fini votre tour, on se retrouve à la fin. À tout de suite. Donc voilà. Donc j'ai terminé mon rang. On va faire la même chose que tous les rangs précédents donc j'ai déjà fait la maille en l'air hein. la maille en l'air elle est là on la voit elle est juste là et dans le troisième troisième maille en l'air de départ on va faire la maille coulée pour fermer le tout d'accord alors là on a fait donc neuf rangs au total avec les augmentations le premier on en a fait Là, on, le deuxième rang, on a fait deux. Ensuite, on a fait une augmentation, une bride, une augmentation, de brides, une augmentation, trois brides, une augmentation, quatre brides, une augmentation, cinq brides, augmentation, six brides, augmentation, sept brides. D'accord Une fois qu'on a fait ça, ça c'est la base qu'on va avoir besoin. Ok Ensuite, on va commencer tout de suite. On va prendre notre petit repère, on va marquer le, le neuvième rang qu'on vient de faire. Alors. Vous le glissez, c'est juste un repère, hein. c'est pas, euh, c'est pour le la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on sait que le rang où il est positionné, c'est notre neuvième rang. À partir de là, on va on va arrêter les augmentations. On va arrêter les augmentations et on va faire des brides, une bride dans chaque espace séparé d'une bride. Le nombre de tours qu'on va avoir besoin. Alors, je vous montre comment on procède. Dans l'espace qui est juste là, donc on fait comme on a fait jusqu'au début pour le moment. On fait donc une maille coulée. On fait trois... Attendez, mon petit fil s'est dédoublé. Excusez-moi. C'était un peu dédoublé. Hop, donc je fais ma maille coulée. Ensuite, je fais trois mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et une maille en l'air supplémentaire en maille de séparation. Dans l'espace suivant, je fais donc une bride, une maille en l'air, dans l'espace suivant, je fais une bride, une maille en l'air, dans l'espace suivant, une bride, une maille en l'air, dans l'espace suivant, une bride. On va faire ça tout le tour. Arrivé à la fin de ce rang là, donc le rang numéro 10, je vais vous expliquer comment vous allez procéder pour la suite puisque vous allez pouvoir le faire tout seul. C'est extrêmement simple. Donc, vous faites donc une bride dans chaque espace séparé d'une maille en l'air, comme on a fait ici pour le rang numéro 10. À la fin du rang, on va se retrouver et je vous explique la suite. À tout de suite. Donc voilà, j'ai donc terminé mon rang donc j'ai fait une bride hein, dans chaque espace séparé d'eux d'une maille en l'air d'accord donc là pour fermer on fait une maille en l'air dans la troisième maille en l'air de départ on fait une maille coulée maintenant pour la suite ça va dépendre de ce que vous allez vouloir obtenir donc je vais mettre plutôt ça comme ça pour que vous puissiez voir donc ici, on a notre petit repère qui est le neuvième rang où on a fini les augmentations. Le rang numéro 10, il se fait exactement tout simplement. Vous voyez, il s'arrondit au fur et à mesure. Là, on va répéter le dixième rang. Le nombre de rangs nécessaires pour la hauteur qu'on souhaite. Donc, du début au neuvième rang, c'est notre base. C'est le haut de la cloche. D'accord? Du rang numéro 10, Jusqu'au rang où on va vouloir avoir le nombre de centimètres qu'on souhaite obtenir, on fait le rang 10, on le répète à chaque fois. D'accord? Donc par exemple, je vais vous montrer un petit exemple. Vous prenez votre un ruban mesureur, une règle, enfin, ce que vous pouvez avoir. Vous allez donc le positionner sur le dernier rang ici approximatif. Voilà. Et par exemple, si jamais, je sais pas, vous voulez avoir, euh, allez, 15 cm ou 20 cm au niveau de la hauteur, vous allez faire le rang numéro 10 jusqu'à obtenir vos 15 cm ou 20 ou plus. D'accord Alors, je vais essayer de vous montrer comme je peux. Donc, je prends mon ruban, je le positionne vraiment à la lisière, en fait, ici, durant. 10. Je le mets, par exemple, je veux aller jusque 15. Je vais donc faire autant de rangs pour aller à 15 cm. Donc, on peut à peu près voir hein, que mon rang numéro 10 correspond à peu près à 1 cm. Donc, je sais que je vais avoir à peu près 15 rangs à faire pour arriver aux 15 cm. Celui-ci comptera, donc, comme le 16e, donc, ça fera. Euh, voilà. Ça fera donc sûrement 14 rangs, 15 rangs approximatifs. Si vous faites 20 cm, c'est pareil, vous faites la même chose. Tout dépend comment vous allez crocheter, bien sûr. Si vous crochetez serré ou moins serré. Donc pour la suite, vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ici, quand vous êtes là, dans l'espace, vous allez refaire donc la maille coulée pour avancer, remonter avec trois mailles en l'air une maille de séparation et dans l'espace à côté, une bride. Et une fois que ça c'est fait, vous le faites tout le tour. Donc, une fois que vous avez fait, en fait, tout le tour, donc une bride dans chaque espace séparé d'une maille, vous le faites sur le nombre de centimètres que vous souhaitez à ce niveau-là. Une fois que vous avez terminé, on se retrouve. À tout à l'heure.